Tuskin Nain. Et ouais. Tuskin. Tus. Tuskin Nain. C'est Tuskin ou Toscan? Depuis. Vas-y. Dit. Tus. Tuskin. Toscan. Toscan. Ah, je sais plus. Tusk. Au pire, Tosti, hein. Écoute. Tosti Nain. Tuskin Nain Toru. Contre Jukarn. Et celle Jukarn. J'aime pas où elle est située sa structure. De quoi? J'aime pas où elle est située sa structure. C'est pas une nouvelle structure ou un truc? C'est une nouvelle structure qui a été faite il y a pas longtemps. Oh, stylé. Mais en ce moment, il y en a plein qui se créent. En fait. Ouais. En ce moment, il y en a plein qui se créent. Du coup, on part sur un Smash Ville. Un bon counter pick pour Nae. Par contre, la Nae, on en déroule. On déroule l'expérience. Nae revient d'Espagne. Non, on déroule toute l'expérience. Nae revient d'Espagne. Il a juste envie, en fait, de faire comprendre à la Samus. C'est qui le boss? Qu'avant de partir, que c'est lui qui restera le boss de ici. Bon, après, on va revenir, mais tranquille. En fait, ici, Nae qui a gagné le dernier Excalibur contre Mescol. Bah, trop, ça tue. Bon, c'est Samus, hein. On est à manger la cantine, comme je l'ai dit. C'est vrai. Chershot qui passe à travers le gun. Oh, t'agace. Le petit nerf, dommage. Oh là là là. Donner, on a tenté de donner un désavantage. Tu vois. Trop bien. Mais là, Nae, on sent l'expérience de l'Espagne. On sent qu'il a mangé des trucs. C'est plus le même homme là, tout ça. Alors, il est arrivé. On sent qu'il a affronté 6 squids, tu vois. Je sais pas, il a joué contre qui là-bas, mais je pense qu'il a bien déroulé son expérience. Et là, il est trop carré sur l'avantage. Oh là là. 70%, mais. C'est genre. Nae, c'est clean. Mais non, mais en fait, le problème pour moi, c'est. Je joue juste trop là. Et on perd ça. Quoi? La Bretagne perd ça. La Bretagne perd contre ça, mec. Ah non, perd ça. Écoutez. Ok, bon, pour l'instant, ça se passe bien. Y'a Nae qui a une soc d'avance. Très patient, qui a le lead en plus niveau pourcentage. En fait, il a pas besoin d'approcher, tu vois. Ouais. Il reste. Un petit blaster. Crouch. Ça met 10%. Et après, il fait ses petits trucs. Y'a quoi qui tue là? Un petit fer bagarre, non? Oh, tout. Carrément. Hein. Ah non, tu as dit que tout à l'heure, Baxter, ça tuait pas. Ah, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que. On a de la rage, tu vois. Ah. Oh là là, le mauvais finish, dommage. Oh, le nerf qui passe juste à côté. On a réussi à reverse avec le petit nerf. Oh okay, là, par contre, on est sur les strats de wall. On parle. Oh le stat est pas du côté de Jukarn. C'est dommage. Jukarn qu'on revoit une seconde fois. Ah, d'ailleurs, oui. Les gars, on s'est jugé par barbe. C'est assez compliqué. Putain, c'est vrai, mec, on s'est jugé par barbe au cast. On va être noté à la fin. Je suis sûr, je vais avoir une meilleure note que toi. Ouais, j'ai très bien. Par contre, on a blast, on a reverse. Enfin, on a refait avec ça. On a pris 40% carrément sans ça. Non mais en fait le truc c'est que Nae il est arrivé en Bretagne il y a 2-3 ans de ça. Enfin il arrive en Bretagne, enfin bref, il a commencé les tournois il y a 2-3 ans de ça, voire plus, 4. Et là c'est pas Samus qui l'affronte, c'est Jukarn. C'est 1v1 Tatami, Nae et son Wolf contre Jukarn. C'est vrai. On va rappeler, c'était un peu un classico qu'on trouvait souvent au Tchèque il y a longtemps. Par contre vraiment le après, Jukarn s'est bien amélioré aussi. Jukarn oui hein. Qui passe de top René confirmé. Après, maintenant d'ailleurs, il revient une pause d'ailleurs. Il avait fait top 8 esprit vif. C'était putain, voilà, il avait battu Tigers. Attention, battu aussi. Attention, ça a signé la fin de la game. Le banquier. Là, on va en parler, mais là vraiment, genre Nae, c'est que. Là, il a un backer, un F-Stilt, un up-smash at shield et ça veut partir. Une back throw. Tout en fait. Là, par contre, littéralement, tout peut tuer. Il était un petit peu grid sur les guards. C'était risqué ça. C'était assez risqué, ouais. Mais par contre, la Nae qui est trop clean, hein, vraiment sur plein d'aspects du jeu, il est trop clean, il drop rien, parie le fer, back throw, ça va pas tuer, encore une fois, Samus, top, bonne top 7 des personnes du jour du jeu. Jukarn. Mais attention, le F-Tilt, carré, pas mal, on laisse une stock, et 85%. Bah, comment j'ai pour jouer comme ça, hein. C'est un monstre. Hein. C'est un monstre. Quand moi je galère à faire les caras, lui, il sait pas les faire. Je sais pas. Bah, oui, bah, en vrai, on pas besoin de jouer Ken pour. Hein? C'est pas ce que tu rates. Ouais. Ok. C'est pas ce que tu rates. En jouant ces bons personnages. Regarde, Triss. Depuis qu'il joue Ken, il va mieux dans sa vie. Il a trouvé une femme. Il a fait des enfants. Il a trouvé un nouveau travail. Vas-y, tu joues Ken? Tu joues Ken, Triss? Bah, oh. Attends, changement de plan. Il a perdu sa femme, ses enfants et son travail. Et ça marche pas, des gens qui drop Ken. Bah y'a Ours. Ours qui a drop Ken pour Kazuya. Et qui est revenu après. Et Rufto. Regarde, maintenant on a un Pichu qui domine. Et après Pichu? Non mais c'est un Pichu qui domine, t'as compris, c'est Nae quoi.
Ah, c'est vrai, en plus, Pichu. Pichu Shoto, c'est infâme. Hein. SBF. Bon, en tout cas, on parle de Pichu. On parle de Pichu. De Pichu. Par contre, là, je tiens sur une vraie instru là. On avait le petit combo. En fait, il avait le setup parfait en fait. Oui. Là, je sais pas quand. Parce que des fois, ils peuvent faire des nerfs ou des trucs comme ça, non? En fait, Garm, c'est la Samus qui va te l'adore en fait. C'est la Samus qui va chercher les combos au pair. Par contre, là, en fait, là, le problème, c'est que Jukerm, il a fait sa cuisine tout à l'heure. Mais Naé, on aurait pu toucher avec le Samus. Il lui dit clairement, non, arrête-toi. Aïe, 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 le charge-shot. Trop dommage. Le réflecteur qui n'a pas été là. Ouais, c'est la drop au dernier moment. Ouais, c'est ça. Oh, il aura pu shield, non? Je pense pas. T'as quand même du lag. Hein. C'est fumé, mais faut pas abuser, t'as quand même du lag derrière. Oh. Ah, petit tonnerre. C'est pas comme sur mêlée, c'est nul. Ouais, c'est grave. En tout cas, ça sur mêlée. Qu'est-ce qu'il y a sur mêlée? Bah, mêlée, le chain, il peut être frame 1. Il est frame 1, mais il y a quand même du lag. Ah ouais. Non, même pas en fait, non, il y en a pas. On whiff un peu, on est pas mort, on mange à la cantine. Le nerf, par contre, il va le chercher. Il est fait trop bien en fait. Il va le chercher. Je suis paumé moi. En fait, voilà. Il est cherché. En fait, il va. Il va hyper. Enfin, il va hyper deep, vous savez, parce que. Il peut se permettre en fait. Mais oui. Il peut se permettre avec Wolf. Oh non, dommage. Trop dommage. On reste. Là, on a even pourcentage sur une SD, c'est un peu con. Mais après quand même, Nae, il attend de s'adapter, tu vois. Oh, il a toujours Pichu sous la main. Mais là, je pense, tu vois. C'est vrai. Mais là, je pense, tu vois, ce qu'il adopte, c'est Jukerm. Jukerm là qui commence à beaucoup s'adapter sur le matchup. Il a l'expérience, il joue beaucoup contre le Wolf de Nae en général en weekly. Il a l'habitude de voir certaines phases. C'est ça. Et ouais, le truc, c'est que. En fait, le problème, c'est que là, il se fait un peu reverse. Et en fait, se faire reverse sur le Wolf de Nae. Nae qui a une exécution en béton armé. Genre, c'est faire back air et tout, il loupe jamais en fait. C'est hyper chaud. Tu vois, genre. Oh bah justement il s'est pris un reverse, il a 90%. C'est très compliqué pour lui. Là Nae qui est trop en plus de ça, là Nae on est en mode hyper réactif. Ah oui c'est ça, en fait il laisse pas respirer. Il lui dit, bah, clairement il le trop prend, bien il... vu ça par contre. En gros il a ri d'une roll F smash carré. Trop bien vu de sa part, c'est très belle ride. Dommage, on choque le combo, ça fait des upbeats, tu connais, tu rates tes combos, tu prends des upbeats Samus. Tu rates tes space aussi. On a eu très très bon lead. Le petit bizarre smash. Je pense qu'il connecte. En vrai c'était bizarre. Hein. Il a un peu déconnecté. Hein. En vrai le truc que j'ai vu, je crois que c'est Nae qui a sauté dedans. Oui je pense. En voulant refaire un fer. Mais là du coup Jukerm qui a eu le bon entier, donc c'était plutôt pas mal de sa part. Bah après en vrai il a bien délayé un peu son F smash, ce qui a permis de prendre la stock. C'est ça. Parce qu'en vrai s'il fait à peine charger le truc, il fait pas je pense. Attention on a une phase de ladder de classique Jukerm. Mais ça, il s'est encore rive. Dommage. Oh la bombinette qui permet de. Là c'est reverse, c'est terrible. Par contre, on est sur une insulte de psychopathe. Alors là, ouais, ça sent la fin de la game à tout moment. Oh, il a plus de saut. Il a plus de saut. Il a plus de saut. Ça peut être terrible pour lui. Hein. Ah, c'est fini. Dommage. Le flop au ledge. En fait, là le problème c'était que Nae avait tout couvert. Nae qui revient d'Espagne. En fait, il avait la place pour tout faire.